Cela fait 5 ans que le prince Harry et Meghan Markle se sont mariés. Le 19 mai 2023, le duc et la duchesse de Sussex ont fêté leurs 5 ans de mariage sans publier aucune photo. Au même moment cesse de lancer une rumeur sur l'existence d'une chambre privée louée par le prince Harry. Le 19 mai 2023, le prince Harry et Meghan Markle ont fêté leur 5e année de mariage. Pour l'occasion, le couple Sussex n'a publié aucune photo d'une quelconque célébration. Au même moment, la semaine dernière, Sussex avait fait savoir que le prince Harry, 38 ans, avait une chambre réservée pour lui tout seul dans un palace de Monte Quito. Les sources du média britannique ont déclaré que le prince Harry séjournerait sans Meghan Markle. Selon les sources du tabloïd britannique, la chambre sert au prince Harry comme un lieu d'évasion. Les sources du magazine, qui seraient proches des Sussex, ont déclaré que le prince Harry, duc de Sussex, dispose d'un bungalow privé au San Vicente Bungalow, un club privé de Los Angeles où il séjournait régulièrement. Ces rumeurs ont relancé d'autres rumeurs selon lesquelles le couple de Meghan Markle et du prince Harry serait en difficulté. Pourtant, selon les informations du page 6, le prince Harry ne disposerait d'aucune chambre où il se rendrait pour fuir Meghan Markle, duchesse de Sussex, 41 ans, nulle part. Un représentant du duc de Sussex a déclaré à page 6, ce n'est pas vrai. Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex dans le collimateur des paparazzi. Le représentant du prince Harry a démenti les affirmations selon lesquelles il séjournerait régulièrement dans une chambre luxueuse de Los Angeles. Cette nouvelle intervient peu de temps après que le couple a été discrédité concernant leur version des faits à propos de leur course-poursuite à New York, le soir du 16 mai. Rappelons qu'à cette date, la maman de Archie, 4 ans, et de Lily Bay, 1 an, a reçu le prix Woman of Vision Awards. Et dès leur sortie du musée, le duc et la duchesse de Sussex auraient été poursuivis par un groupe de paparazzi très agressif. À propos de l'auteur, l'introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ses derniers articles, une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril. Stop.